Bonjour, je m'appelle Anis Ahmed, je suis tunisienne et j'ai grandi entre Paris, Tunis, à Londres et New York. J'ai fait mes études à la Parsons School à New York où j'ai eu un diplôme de fashion design. J'ai été diplômée l'été dernier. Et aujourd'hui, je vous présente une collection en exclusivité avec la galerie Musk & Amber qui s'appelle Interfaces, a Visual Dialogue. Alors, cette collection est née d'une rencontre, ma rencontre avec Lamia, l'été dernier dans la galerie. Et on a tout de suite eu un très bon contact. En lui montrant mes portfolios, Lamia m'a proposé de créer une collaboration pour la galerie. Donc voilà, cette collection est une rencontre entre l'Orient et l'Occident, le passé et le futur, les traditions et la modernité. Mes inspirations ont été les vêtements traditionnels de différentes régions du monde, autant de l'Extrême-Orient, les kimonos japonais, mais de nos régions à nous, les sarouels d'Afrique du Nord et du Maghreb, les djebbas, les tuniques, les caftans. Et les tissus aussi sont nés de cette rencontre. Alors j'utilise du lin japonais, mais aussi des tissus, des soies tissées à la main par des artisanes tunisiennes. Et aussi des Oxford anglais, donc c'est vraiment un dialogue entre cultures et j'espère que ça vous plaira. Interfaces, justement parce que ma collection est une interface entre la culture et le vêtement tout d'abord, mais aussi entre différentes cultures. Je pense que nous sommes dans une situation géopolitique ou de peur et d'attentats en ce moment et que c'est très important d'entremêler les inspirations et de créer un monde où cultures s'entremêlent. Et dès aujourd'hui, vous pouvez prendre vos commandes. Les vêtements seront tous disponibles en taille small, moyen ou large et seront livrés fin juin.